Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo, donc je vais vous faire une vidéo courte, j'espère. Voilà, j'ai eu pas mal de chou kale dans mon panier bio cette semaine. Donc, je vais vous montrer comment on fait des chips de chou kale délicieuses et à croquer à n'importe quel moment de la journée, saines. Et voilà, donc on commence par enlever les tiges, qu'on ne jette surtout pas, hein, les tiges. On va pouvoir s'en servir pour les jus, par exemple, ou bien pour les soupes, pour ceux qui font des soupes. Moi, alors que je mangeais cru depuis très longtemps, je me suis remise à faire des soupes parce qu'avec le panier bio, j'ai beaucoup trop de légumes et j'avais pas envie de les perdre. Donc, bon, une soupe en fin de repas, un petit potage, c'est bon. Donc ça, on peut les couper, les mettre en soupe ou alors les passer direct en jus. Voilà. Alors, je vais vous proposer deux recettes différentes. Bon, s'il y a des morceaux des fois moches, comme ça, je les enlève. Hein. Voilà. Ça y est. Je vais déjà remettre à chauffer l'eau que j'avais mise à chauffer tout à l'heure, qui n'est plus tout à fait assez chaude. Ça, c'est pour pouvoir mettre mon huile de coco. Je vais faire un bain-marie. Hein. Donc, voilà mon huile de coco. Hop. Un peu plus que ça quand même. Là, c'est un petit peu compliqué parce que comme il fait froid, elle est très dure et en plus je suis en fin de peau, donc il faut vraiment que j'aille racler au fond. Voilà. Donc ça va être celui avec l'huile de coco. Donc je verse. Vous voyez, je fais un bain-marie comme ça. Hein. Voilà. Oups. Encore un peu d'eau et on va attendre que ça fonde. Pendant ce temps-là, je vais faire sel à l'huile d'olive. Je vais mettre mon huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, j'achète à la Biocoop dans des bouteilles que je paye qu'une seule fois et que je remplis ensuite. Il y a des petits bouts de déjà de chou kale dedans. Voilà, donc l'huile d'olive, j'y vais assez généreusement. Alors, l'huile d'olive, par exemple, on va faire l'huile d'olive curry. Allez, voilà le curry. On va mettre du quinton déjà. Je vais prendre une autre cuillère. Bon, je pensais avoir tout préparé, hein, mais décidément, je ne suis pas douée en vidéo. J'étais persuadée que j'avais tout préparé et que j'aurais rien d'autre à... Voilà. Un petit peu de quinton. Ça, c'est pour le goût salé. Et le curry. Alors, le curry, on peut y aller là. Voilà. Non, ben, décidément. Je sais pas si on voit bien là. Je ne me rends pas bien compte. Voilà. Alors là, notre huile, ça y est. Elle est bien fondue. Je vais pouvoir la mettre là-dedans. Ça n'en fait pas énormément. Peut-être en reprendre un peu. On va mettre un peu de quinton. Et puis là, on va mettre du cumin, par exemple, pour changer. Allez, hop, du cumin. Et voilà. Alors, c'est mieux un plat comme ça. Ça sent bon, hein. Un plat comme ça, moins creux et plus large, c'est plus pratique. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que maintenant, il va falloir masser. Alors, on va en mettre un peu là, un peu là. Et on va masser. On va bien les masser. On va bien, bien, bien masser les feuilles. J'espère qu'on voit bien. Ah ben là, ça a déjà commencé à rajouter un petit peu d'eau chaude parce que ça a déjà commencé à coller. L'huile de coco, il faut la faire tout de suite. Donc ça, c'est bon à savoir. L'huile de coco, il faut immédiatement la malaxer parce que elle a tendance à coller beaucoup.
Alors après, moi, ce que je fais en général, parce que j'aime vraiment que ça ait beaucoup de goût, c'est que je remets. Qu'est-ce que ça sent bon. Je remets un petit peu de. Un petit peu d'épices par-dessus. Les mêmes épices. Hein. Voilà. J'ai un déshydrateur. C'est Actama Pro de chez One Cook que je trouve très très bien. Donc j'enlève les feuilles, j'en ai pas besoin pour ça. Donc on va mettre nos feuilles de. Nos feuilles de lumière. Et je vais rajouter, c'était du cumin ici. D'après l'odeur, c'était du cumin. Donc je vais en rajouter un peu. Ensuite, je vais prendre, là il va me falloir au moins deux pour celle à l'huile d'olive. Plus possible pour que ça sèche plus vite. Ça consommera moins d'électricité. Bon, il faut savoir qu'un déshydrateur comme celui-là, pourquoi je l'ai choisi déjà? Parce qu'il a, vous voyez, les plateaux sont en inox, alors que dans beaucoup de déshydrateurs, les plateaux sont en plastique. Et le plastique chauffé, moi je me méfie quand même. Surtout que ça reste longtemps, hein, ça reste quand même des heures. Hein. C'est pas comme un blender, même si ça reste un petit peu dans le blender, ça reste quelques secondes, là. Voilà. Alors, et ben on va mettre tout ça. Alors là, on va rajouter du curry. Voilà le curry. Et voilà le curry. Alors, on va mettre un plateau, deux plateaux et trois plateaux. Alors, pourquoi j'ai choisi le Akatama Pro? Parce qu'il est très, il a un excellent rapport qualité-prix. Parce que les plateaux sont en inox. Et parce que j'ai bénéficié d'une réduction où étaient offerts les feuilles. Alors ces feuilles-là, qu'on peut mettre dans les plateaux, ces feuilles-là, elles sont très pratiques quand vous avez des choses juteuses. Si, par exemple, vous faites déshydrater des fruits ou des choses comme ça. Alors j'allume. Alors je vais mettre sur le programme 6 parce que 6 c'est éco, c'est écologique et économique donc ça me convient. Voilà, c'est parti. Donc le programme éco il monte jusqu'à 45 degrés, je crois. Ouais, c'est ça, 45 degrés. Et bon, comme tous les autres programmes, il est programmé sur 30 heures, mais évidemment, si au bout de 10 heures c'est terminé, on arrête, hein, on ne va pas le laisser 30 heures. Voilà, ben j'espère que ces recettes vous auront inspiré et je vous dis à bientôt pour une prochaine.